And now I give the floor to Professor Maria Luisa Oancea from the University of Bucharest. Thank you very much. Ana Maria, I will speak in French because it is easier for me. And I know that many classicists know French. Monsieur le Président, chers collègues, chers participants, nous vous souhaitons la bienvenue à la quatrième édition de l'école interdisciplinaire annuelle de grec ancien, d'égyptologie et de langues orientales, organisée comme toujours par l'amabilité particulière du professeur Dr Émile Constantinescu, président du conseil scientifique de l'Institut d'études approfondies en culture et civilisation du Levant, et organisé sous la direction attentive du professeur Dr Jona Popielska-Gzybowska de l'Institut des cultures méditerranéennes et orientales de l'Académie polonaise des sciences en partenariat avec l'Université de Bucarest, Faculté des langues et littératures étrangères. Comme vous l'avez peut-être compris, d'après le titre de notre école d'été de cette année, Vertus et Vices, nous avons choisi de nous concentrer désormais sur un thématique moral. Si l'on trouve de nombreuses théorisations sur la vertu, tant chez les auteurs anciens que chez les herméneutiques et philosophes modernes, les références aux vices sont totalement insignifiantes, ce dernier étant défini plutôt négativement, c'est-à-dire par ce qui n'est pas vertu ou par ce qui n'est pas considéré comme vertueux. D'un point de vue terminologique, dans la langue grecque, le terme arrêté vient du radical ar, qui se traduirait par s'adapter, adaptation parfaite à une situation ou harmonisation. Le terme est également lié à l'adjectif d'excellence aristos. Par conséquent, arrêté fait allusion à la capacité d'un individu à accomplir sa tâche avec excellence. Le mérite de celui qui a la capacité de prouver son excellence conduit à l'idée de reconnaissance sociale, d'où émergera le deuxième sens du terme arrêté, celui de renommée. Le terme s'appliqua à l'origine principalement aux héros, aux athlètes et aux dieux, puis à toutes les personnes qui parvenaient à développer des vertus intérieures telles que la justice, dikaiosune en grec, ou la maîtrise de soi, sophrosune en grec. L'excellence pourrait être comprise comme la force physique, la sagesse, le courage, la justice ou la maîtrise de soi. Si la vertu arrêtée en grec faisait référence à l'excellence, le vice, à l'opposé, constituait le déni de l'excellence, souvent exprimé par le mot kakia, c'est-à-dire le mal. Le concept de arrêté constituait dans la Grèce antique une partie importante de ce qu'on appelle paideia, c'est-à-dire l'éducation des enfants, dont le but était de guider les jeunes vers la maturité. Cette paideia comprenait à la fois la culture physique, notamment à travers des exercices de gymnastique, et la formation intellectuelle, par exemple oratoire, rhétorique, etc., et spirituelle, telle que l'éducation musicale et morale. La notion d'arrêté a parcouru tout l'hellénisme, d'Homère à l'Odyssée Élite, du grec archaïque au néo-grec, restant toujours un thème récurrent. Dans l'Antiquité grecque, l'éthique se concentrait principalement sur l'essence humaine, cherchant à répondre à des questions telles que « qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que le bonheur ? » ou « comment on peut atteindre le bonheur ?» etc. Pour les Grecs de l'Antiquité, l'éthique fonctionnait autour de trois notions fondamentales. L'âme, psyché en grec, notion au centre de l'éthique, puisque son but était en fait d'apporter un bénéfice à l'âme
La deuxième notion fondamentale de l'éthique serait la vertu, arrêtée en grec, comprise dans le sens d'excellence. Les personnes, comme les objets, pouvaient être dotées de vertus, par exemple la vertu ou l'excellence d'un couteau, étaient de bien couper. Celle d'un constructeur était de bien construire. Les vertus morales les plus répandues chez les Grecs étaient la sagesse, la modération, le courage, la justice, etc. La troisième notion fondamentale de l'éthique serait le bonheur, eudaimonia en grec, considéré comme le but ultime vers lequel tend tout homme. Socrate fut le premier philosophe à concentrer son attention sur l'homme, le plaçant au centre de la réflexion philosophique. Pour lui, ce qui différencie l'homme des animaux est la raison sur laquelle reposent les normes éthiques. L'âme humaine attend la perfection principalement grâce à la connaissance. Ainsi, Socrate fait de la connaissance la principale vertu humaine. La culture de la raison conduit au contrôle des émotions et des instincts, donc au contrôle équilibré de soi. À l'inverse, le vice, à l'opposé de la vertu, représentait selon Socrate l'ignorance du bien et du mal. Ainsi, toute erreur morale trouve son origine dans l'ignorance. Selon le philosophe, la connaissance suffisait pour atteindre le bonheur. Platon, suivant la voie de son maître, propose une éthique rationaliste insistant en outre sur la séparation du corps et de l'âme. Platon fait de la sagesse la vertu essentielle, identifiant ainsi le vice à l'ignorance. Partant de l'idée que le corps est le siège des passions et des désirs qui peuvent détourner l'homme du droit chemin, Platon soutient la nécessité de s'éloigner du monde matériel pour pouvoir accéder au bien. Le mythe platonicien de la grotte parle clairement du fait que seul le sage peut se libérer des chaînes qui l'obligeaient à ne voir que les ombres des choses, en jouissant du pouvoir de contempler le soleil, symbole de l'idée du bien. Mais l'homme, être social, ne peut attendre seul le chemin du bien, ayant toujours besoin de polis. Aristote a poursuivi l'approche initiée par Socrate et Platon en termes de théorisation des principes éthiques, promouvant également une éthique rationaliste. Selon Aristote, le but ultime de tout être humain serait l'attente du bonheur, assimilé à l'idée de perfectionner la raison ou de développer les vertus intellectuelles. Aristote, cependant, comprend la vertu comme une habitude acquise grâce à un effort personnel de pratique continue et constante. Le Stagirite s'est révélé partisan de l'éthique, de la voie du milieu, de l'équilibre entre deux extrêmes, le manque et l'excès. Par exemple, le courage représenterait une vertu qui se situerait entre la lâcheté, le manque, et l'insouciance, l'excès. Reprenons la thèse de Platon, la pensée éthique d'Aristote apparaît liée à la vie politique, puisque l'être humain est un être social, obligé de vivre en société pour être heureux et atteindre la perfection de sa propre nature. L'éthique épicurienne, souvent confondue avec l'hédonisme, se caractérise par l'évitement de la souffrance et de la douleur, ainsi que par la recherche de la maîtrise de soi, de la paix mentale, ataraxia en grec, et du plaisir spirituel. L'éthique stoïcienne repose également sur la recherche de la paix intérieure et de la maîtrise de soi, loin de l'agitation de la vie politique. Mais la conception éthique des stoïciens s'oppose à celle des épicuriens lorsqu'il soutient que les plaisirs sont la cause de nombreux maux. Selon les stoïciens, la raison humaine doit dominer les instincts humains par la volonté.
Le stoïcisme promeut plusieurs concepts éthiques importants, tels que apatheia, ou l'absence de toute souffrance ou perturbation émotionnelle, et ataraxia, ou l'absence de perturbation de l'âme. Inspiré par la théologie stoïcienne, Saint Paul fait de la foi, de l'espérance et de l'amour les trois vertus théologales chrétiennes fondamentales. Parmi les légendes très connues des anciens Grecs, il y avait celle relatée dans une parabole grecque attribuée au philosophe Prodicos de Chéos, vivre au 5e siècle après Jésus-Christ, et connue de nous grâce à Xénophon, qui la mentionna dans ses mémorabilia. La parabole raconte le moment où Héraclès, arrivé à un carrefour, rencontre à sa droite la vertu, arrêtée en grec, et à sa gauche le vice, kakia en grec. Les deux abstractions l'incitent à choisir entre elles celle qu'il jugera utile dans son parcours. Héraclès choisit la voie de la vertu, restant ainsi dans la conscience de la postérité comme l'un des héros les plus importants de l'Antiquité grecque. Le motif du choix entre les deux abstractions s'avère extrêmement actuel, ayant été repris à différentes époques historiques par de nombreux écrivains, mais on peut aussi le trouver intensivement exploité dans l'art plastique. Et je pense à des tableaux célèbres comme celui d'Albrecht Dürer, Hercule à la croisée des chemins du 15e siècle, ou celui de Paolo Veronese, intitulé Allégorie de la vertu et du vice du 16e siècle. En termes d'économie de notre école d'été, nous continuerons cette année à nous concentrer surtout sur la traduction de textes grecs anciens, mais contrairement aux années précédentes, vous aurez à votre disposition un nombre impressionnant de cours pratiques de grec ancien, 9 précisément, entrelacés avec des cours théoriques extrêmement intéressants sur le monde égyptien, juif et byzantin, comme vous avez pu le constater grâce à notre programme généreux. Nous poursuivons également la tradition de promotion des soi-disant alumni, que nous formons de plus en plus à l'enseignement de cours pratiques et théoriques dans le but de façonner de la manière la plus concise possible un profil pertinent d'une véritable école des langues anciennes en Roumanie. En conclusion, je vous invite à participer à tous nos cours offerts avec tout cœur et avec beaucoup de dévouement par nos collègues et nos anciens étudiants, collègues actuels, pendant 5 jours absolument fabuleux. Bonne chance. Merci.